Bonjour à tous et à toutes, c'est H. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Pour un part, ça va pas trop mal. Je suis encore malade, malheureusement. Je pense que ça pourra encore s'entendre sur le son de la vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai quand même décidé de vous faire une vidéo parce que c'est le début des vacances, personnellement. Parce que voilà, pour la zone A, c'est le début des vacances. Donc je suis vraiment désolé de dégoûter les personnes qui écoutent cette vidéo alors qu'elles sont dans la zone B ou dans la zone C. Ça dépend. Donc encore un petit peu de courage pour une ou encore voire même deux semaines de boulot. Mais courage, les amis. Vous allez voir en fait que vous aurez vous aussi aux deux semaines de vacances. Pour ceux qui taffent déjà et qui sont déjà plus grands, bon bah vous n'avez pas de vacances, c'est comme ça, hein, je peux pas vous dire des choses gentilles parce que bah voilà, je peux rien vous promettre tout simplement, je suis pas votre employeur, je peux pas vous prendre des congés à votre place. Mais aujourd'hui je suis content de vous faire une vidéo pour vous présenter en fait un autre épisode de VHLM qui est donc Victoire haut la main. Je vous rappelle que c'est une série dans laquelle je vous montre plusieurs replays de guerre de clans. Et aujourd'hui en fait j'ai décidé de faire cet épisode spécial car comme vous pouvez le voir sur le château de clan, le clan War Army est passé au level 7 récemment, donc la semaine dernière. Je félicite toutes les personnes qui ont participé aux guerres de clans parce que je peux vous dire que il y a énormément de changements. Donc je me connecte pas du tout sur Clash of Clans ces temps-ci, c'était un truc de malade. Et quand j'ai vu certaines personnes attaquer comme Mister Moustache, et ben le mec, mais je sais pas comment il a fait, mais il a fait un 3 étoiles de ouf, je vais essayer de vous le montrer. Mais en tout cas voilà, moi je connaissais pas ce genre de technique là. Et donc voilà, il s'est vraiment gavé. Donc bravo à toutes les personnes comme ça qui ont amélioré donc les techniques d'attaque et aussi de défense parce que je peux vous dire que ça défend vraiment très très bien. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va regarder 2 à 3 petits replays qu'on avait dans la dernière guerre qui nous a fait donc monter au level 7. Malheureusement on a perdu à cause du pourcentage de destruction. Sinon voilà, vous pouvez voir que c'est assez mitigé dans le journal de guerre, mais on gagne quand même assez souvent. On a plus de victoires que de défaites, donc voilà, c'est positif. Alors qu'avant, vous pouvez voir, voilà, on avait énormément de défaites. Regardez là, il n'y avait que 3 victoires pour une bonne dizaine de défaites, alors que là, pas du tout. Là, c'est strictement l'inverse. On a peut-être 6 défaites pour 7 ou 8 victoires faciles. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc on va directement aller voir dans les détails de cette guerre. Et je vais vous montrer donc plusieurs attaques qui, pour moi, ont été vraiment déterminantes. Par exemple ici, voilà, celle de Mister Moustache. Alors je peux vous dire qu'il a fait une attaque de qualité. Alors regardez déjà, je pense que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, mais c'est pas grave, il a quand même réussi. Donc regardez, on va voir déjà un petit replay d'HDV8. Donc en fait ce que je vais vous faire, c'est que je vais mettre un replay d'HDV8, un replay d'HDV9, un replay d'HDV10 et un replay d'HDV11 si je peux. Donc je vais vous les commenter en temps réel. Vous pouvez voir voilà qu'il a lancé le poison sur le château qui a été déclenché par un cochon. Voilà, donc déjà il va pouvoir tuer le ballon de level 6 et il va pouvoir mettre à peu près la moitié de la vie du dragon en danger. Là on voit en fait qu'il lance le deuxième sort de poison pour pouvoir presque tuer le dragon. Je sais pas s'il va le tuer. Ouais, je pense que voilà, ça va passer, il va le tuer. Donc voilà, ça c'est vraiment bien joué de sa part. Ça fait vraiment très très mal au dragon. Deux poisons, il est directement mort. Donc faites vraiment très attention si jamais vous utilisez donc du go wipe ou alors si vous faites du full cochon. Parce qu'il y a les dragons donc qui sont dans le château de clan ou les molosses, voire même les ballons qui peuvent faire très très mal à vos golems si vous êtes en go wipe et à vos cochons si vous êtes en chevaucheur de cochons, hein, bien sûr. Donc faites très attention à ça si vous êtes HDV8 parce que bien évidemment ça peut niquer toute votre attaque. Par exemple là il a décidé d'attaquer par le côté gauche, c'est vraiment pas mal vu que il a décidé en fait, vous pouvez voir, de nettoyer d'abord les deux côtés pour éviter que ses troupes tournent. Donc voilà, hein, toujours bien nettoyer les deux côtés avant, mettre 2-3 sorciers à gauche, 2-3 sorciers à droite et après vous pouvez lancer la sauce au milieu. Et après voilà, donc normalement ça va passer. Vous pouvez voir voilà, ici par exemple il y a donc les PK qui sont enragés, le roi des barbares qui fait vraiment bien son taf, la reine des archers derrière qui est en train donc de tanker pour pouvoir détruire énormément de bâtiments avec une certaine distance, hein, parce que la reine en fait elle peut tirer de loin et ça c'est vraiment son plus gros point positif. C'est que voilà, elle peut tirer de très très loin sans se faire choper. Et donc les golems prennent tous les dégâts avec les PK. Et même avec le roi, et donc les sorciers et la reine font énormément de dégâts en arrière-plan. Et ensuite on voit voilà que les sorciers viennent nettoyer par le côté droit. Et on a aussi 3 par la gauche. Il va faire finalement un 100% vraiment très très facilement sans forcer. Il nous reste encore 2 golems, 2 PK, ses héros, voilà quoi. Bon bref, il a fait un magnifique 100%. Donc bravo à toi Mister Moustache. Maintenant on va regarder un autre replay qui va donc être un replay d'HDV9. Alors ce que je vais essayer de vous montrer, donc là par exemple il n'y en a pas vraiment des bons replays, donc on va aller sur la guerre actuelle. Alors là par contre je me fais attaquer par le numéro 9, donc c'est pas grave. Est-ce qu'on a un bon replay? Oui voilà, donc Rotolo qui est donc le graphique
Le graphisme, excusez-moi. Le graphique, oh mon gars, excuse-moi, j'étais vraiment pris pour un design, donc voilà, un graphisme. Non, un graphique. Mais non, qu'est-ce que je dis? Comment ça s'appelle déjà les gens qui font les graphiques? Les graphistes, voilà. Oh putain, mais je deviens vraiment un alphabète, moi. Bref, c'est pas grave, donc voilà, merci à toi, Rotolo, le graphiste de première qui a donc réalisé ce magnifique replay. Vous pouvez voir en fait qu'il a attaqué le numéro 4, donc c'est-à-dire son opposé direct. Et il a fait un beau 100% sur un village quand même bien amélioré d'HDV9. Donc on peut voir en fait qu'il a vraiment un village pas très très bien construit. Parce que en fait il a décidé de jouer plutôt la protection. En mettant donc des remparts un petit peu n'importe comment pour pouvoir assurer le contour du village. Mais malheureusement ça va marcher avec le Goaï parce que les golems vont directement être attirés par la Tesla qui est ici. Et ensuite voilà, ils vont pouvoir progresser très très facilement. Donc par contre je vais mettre en vitesse numéro 2 parce que sinon ça va pas aller quoi. Je sens très bien que la vidéo elle va durer 15 minutes, ça va vous faire chier. Donc je vais plutôt essayer de la faire durer entre 10 et 12 minutes, comme ça au moins vous pouvez prendre du plaisir. Donc en fait il attaque au chevaucheur de cochon après avoir nettoyé le côté droit avec des golems. Vous pouvez voir voilà qu'il pénètre très très facilement au milieu avec les sorts qui sont donc de soins. Je rappelle que si vous attaquez un HDV10, ne prenez jamais des cochons parce que les tours de l'enfer neutralisent le sort de soins et les guérisseuses. Donc vraiment faites très très attention parce que ça servira à rien. Et pour ceux aussi qui balancent encore des sorts de poison sur les bâtiments, sachez que ça ne leur fait pas de dégâts, ça fait des dégâts seulement aux troupes ennemies. Donc ça peut faire des dégâts au roi des barbares, ça peut faire des dégâts à la reine des archers, aux petits squelettes, aux troupes du château truand. Et par contre ça fait pas de dégâts au roi des mages, enfin je sais pas comment il s'appelle là, voilà le nouvel héros, bref je joue plus des masses à Clash of Clans. Donc voilà le nouvel héros là, ça lui fait pas de dégâts non plus. Donc en fait j'ai essayé de lui balancer un sort de poison comme un con sur sa statue et en fait en mode défensif ça marche pas, donc ça je savais pas. C'est toujours bon à savoir, ça fait un bon 100% de Rotolo sur Loïc. Et donc on va aller voir donc un autre replay. Donc je vous ai dit que je vous montrerai un HDV10. Alors est-ce qu'il y a eu du beau replay au niveau des HDV10? Oui, il y a Apokali qui a fait 2 étoiles sur son adversaire direct. Alors en plus c'est un bon HDV10 parce qu'il a donc ses tours de l'enfer au level 3. Et lui il attaque avec la technique des sorts de tremblement comme moi. Voilà, donc il a à peu près pris la même stratégie, ouais, à peu près la même compo. Donc vous pouvez voir voilà qu'il a lancé son golem à droite ici pour pouvoir faire sortir le CDC. Voilà, avec le dragon, faites très très attention au dragon, ça fait très très mal. Donc surtout, il faut que le golem prenne pas mal de dégâts mais qu'il soit pas mort direct. Parce que sinon, si vous n'avez plus que 2 ou 3 golems pour la suite de l'attaque, ça va être vraiment chaud. Donc après, ce que je vous conseille, c'est balancer 2-3 sorciers et la reine des archers. Comme ça au moins, en arrière-plan, ça détruit le dragon en 2 secondes. Et surtout... ne balancez pas le sang de poison. Le sang de poison, gardez-le pour les squelettes qui peuvent vraiment faire mal aux P.K. parce qu'en fait les P.K. vont taper les squelettes et pas les bâtiments autour. Donc voilà, le sang de poison, gardez-le soit pour les héros, soit pour les squelettes. Mais vraiment faites très très attention à ce que le sang de poison ne soit pas utilisé inutilement et que les P.K. ne perdent pas vraiment trop de temps à taper les squelettes pour rien. Et du coup après l'HDV n'est pas pris, ça fait pas 2 étoiles, voire même de temps en temps ça fait complètement les P.K. qui tournent, etc. Donc vraiment, soyez très vigilants aux pièges squelettiques. Sinon au pire vous pouvez toujours essayer de les geler avec un sort de gel, bien évidemment ça marche aussi, mais je vous conseille plutôt le sort de poison parce que ça les détruit beaucoup plus rapidement et comme ça au moins vous serez tranquille pour la suite. Vous pouvez voir voilà que ça fait déjà 48%, 50%, voilà. Donc là c'est bon, ça fait déjà 2 étoiles. On va laisser le gameplay se finir tranquillement, voilà. Donc après il va essayer de faire un petit peu du grand n'importe quoi, il aura plus le temps. Et ça va faire 53%. Alors je vais essayer de vous trouver un replay où il y a quelqu'un qui attaque un HDV11, mais ça va être vraiment chaud. Donc attendez, je vais aller voir dans le journal de guerre, peut-être qu'il y aura quelque chose. Alors ici, est-ce qu'il y avait un HDV11 qui a été attaqué? Donc, ici il y en avait un... Ah non, il n'y avait pas d'HDV11, par contre il y en avait un HDV10, donc c'est pas ce qu'on cherche. Et ici, est-ce qu'il y aura... Non, pas du tout. Donc malheureusement, j'ai pas de replay avec des HDV11, donc... je vais devoir vous montrer un autre replay avec des HDV10. Bien sûr, si vous voulez voir d'autres replays avec des HDV11, vous allez donc sur les chaînes des autres youtubeurs, mais en fait, il y en a beaucoup qui montrent que ça ces derniers temps, donc je me suis dit finalement que ce serait pas mal de vous montrer deux replays d'HDV10. Et on va aller donc à cette guerre-là qu'on a gagnée contre Bigfoot. 27 à 15, quand même, deux clans level 6 qui s'affrontent, et regardez, il nous manquait plus que 3 étoiles pour pouvoir faire un perfect. Et regardez-moi cette grande qualité, le 1, le 3 et le 4 qui n'ont pas été foulés, sinon les autres, que des HDV9 qui ont été complètement ravagés. Donc vraiment, vous pouvez voir la grosse, grosse qualité
The War Army. Donc vraiment félicitations encore une fois à tous les membres. Et donc l'HDV10 il se trouvait là en fait. Voilà, donc c'est Alex qui a été attaqué par Apocaly. Donc on va voir ça directement et après je vais pouvoir fermer la vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder et analyser tranquillement ce dernier petit replay. Donc vous pouvez voir qu'il va mettre un certain temps avant de lâcher ses troupes, voilà. Donc il décide en fait d'attaquer par le côté gauche avec une stratégie de go wipe. Cette fois-ci il n'a pas pris les sorts de tremblement mais il a décidé de prendre deux sorts de saut, deux sorts de rage, un de gel et un de poison. Donc c'est une bonne compo aussi hein, mais faire attention avec les sorts de saut parce que t'entends les PK et les golems sortent un petit peu du compartiment central. Donc vraiment faites attention, regardez encore une fois le château de clan très inquiétant avec trois ballons et un gros dragon. Donc vraiment faut être très vigilant avec le château de clan, je répète, parce que c'est vraiment ce qui fait rater toutes les attaques en garde au clan généralement. Mais vous pouvez voir voilà qu'il gère vraiment bien. Il a niqué, défoncé même la reine des archers. L'HDV qui prend un gros coup, c'est fini, déjà une étoile, regardez-moi ça. Et après, regardez, en fait, il y a le PK, heureusement, ici, qui a tourné, qui permet de gratter des pourcents. Parce qu'en fait, on n'est qu'à 40% là, actuellement. 41% même. Et la reine, en fait, là, elle est en train de, quand même de souffrir un petit peu à cause de la tour des enfers. Et du coup, elle va pas pouvoir finir le job. Et là, regardez, le PK qui allait frapper, mais finalement, hop, le canon de level 13 qui l'a complètement décimé. Donc là, par contre, ça fait 48%. Et heureusement, il lui reste ses troupes de grattage. Alors là, encore une fois, je répète, prenez des troupes de grattage. Moi, personnellement, je prends 3 serviteurs ou 3... comment on les appelle déjà, les serviteurs? Ça s'appelle autrement les gargouilles. Voilà, 3 gargouilles et 2 archers. Et après, il y en a qui préfèrent prendre 6 gargouilles et 5 archers. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mais vraiment, prenez des troupes de grattage à la fin pour essayer de gratter les 50%. Parce que sans ces troupes-là, il n'aurait pas pu faire le 2 étoiles. Et voilà, ça aurait été très très gênant. Sinon, au pire, vous pouvez garder toujours 3 sorciers ou 4 et... gardez vos héros pour la fin, mais je vous conseille pas parce que les héros quand même, il faut qu'ils tankent pour attraper l'HDV, sinon juste avec les PK et les golems, ça va être vraiment chaud pour pouvoir faire déjà le 1 étoile en attrapant l'hôtel de ville. Donc, mais voilà, finalement ils sont vraiment très très bien tirés avec un petit 60% si je me rappelle bien. Et donc le replay qui va se finir sur ce 2 étoiles magnifique de Apocaly, donc vraiment deux beaux replays de sa part. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, ça a été très très chaud, des belles guerres. Vraiment je suis très content de la prestation qu'accomplissent les membres de War Army. Si vous voulez rejoindre War Army, c'est hashtag 9ROPJ89. On a aussi créé un clan école qui s'appelle War Army 8.9. Donc vous cherchez dans la barre de recherche, vous mettez donc ça en sous-titre. N'hésitez pas non plus à aller checker mon compte Insta, c'est Anto260200. N'hésitez pas à aller vous abonner, mon compte Twitter c'est @ash-arne. Et mon Skype c'est h260200. Je vous mets tout ça dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. À bientôt, amis. Portez-vous bien.